Yes, salut à tous les potos, c'est JBus69. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online en 1.40. Donc c'est un glitch qui est connu mais qui est assez sympa, c'est pour ça que je vous le présente sur ma chaîne les potos. Donc ça sera pour mettre un casque par-dessus un masque. Donc c'est parti, ce qu'il vous faudra c'est l'appartement. Un appartement où il y a une longue vue. Donc soit l'appartement Eclipse Tower, soit l'appartement le QG, normalement ça marche. Du moment que vous avez une longue vue, ça marche. Donc dans votre bureau, ça marche. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est rester appuyé sur le pad tactile. Vous ouvrez le menu d'interaction. Vous allez sur Style. Vous allez sur Accessoires. Ensuite, vous choisissez le masque que vous voulez mettre en dessous du chapeau ou du casque, peu importe. C'est parti, on choisit le masque. Voilà, moi je vais prendre celui-ci par exemple. Donc je fais rond. Là, je fais rond. Encore rond, voilà. Une fois que vous êtes ici, vous mettez vers là. Longue vue, prêt à courir le long de la longue vue. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est courir à côté de la longue vue. Et juste avant, quand vous passez à côté de la longue vue, vous faites flèche de droite et vous restez appuyé sur le pavé tactile. Donc flèche de droite, je reste appuyé sur le pavé tactile. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc je cours, flèche de droite, je reste appuyé sur le pavé tactile. Voilà. Et si vous avez réussi, vous êtes comme moi. Il n'a pas pris la longue vue, il est bugué devant et ça vous a ouvert le menu d'interaction. Donc là, à partir de là, c'est que ça a fonctionné si vous êtes comme moi. Donc vous faites style, vous allez dans accessoires et vous choisissez le casque ou le chapeau que vous voulez mettre. Donc moi, je vais choisir un casque. On va prendre un casque par balle. Ça pour les combats, ça va pas mal. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker les potos, ça me fera extrêmement plaisir. Donc on continue, vous choisissez votre casque. Voilà, on va rester dans les casques par balle. Voilà, on va mettre celui-ci par exemple. Donc une fois que vous avez choisi votre chapeau ou votre casque, vous pouvez mettre des lunettes par exemple. Vous pouvez même rajouter des lunettes par-dessus. C'est comme vous voulez, mais moi je vais pas en mettre. Et vous pouvez vous si vous voulez. Donc une fois que vous avez choisi votre casque, vos lunettes ou votre chapeau, vos lunettes, vous faites rond. Vous refaites rond et vous refaites rond. Voilà. Et là vous n'avez plus qu'à marcher. Vous retournez, vous marchez et ça vous met le masque. Voilà les potos. Donc une fois que vous avez votre casque et votre masque, vous avez votre ensemble, vous allez dans la chambre, vous montez, vous allez enregistrer la tenue. Donc vous mettez ici, vous faites flèche de droite, vous allez sur tenue, tenue sauvegardée. Donc là non, vous faites carré, modifier, tenue sauvegardée. Voilà. Et vous allez sur... Vous choisissez celle que vous voulez changer. Donc moi ça sera celle-ci. Donc je fais sauvegarder. Voilà. Et là je fais rond, rond, rond et rond. Et voilà les potos. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à plus tout le monde et peace!